La moto, en fait, quand tu signes, et c'est à vie. C'est une drogue, tu peux pas t'en passer. Romain Gendreau, 32 ans, est l'un des stunters les plus connus au monde, doté d'un style aussi agile qu'agressif. Alors, Riding Zone est entré dans son univers à Vierzon, dans le centre de la France. Bon voilà, bienvenue dans mon garage. Suivez-moi, je vais tout vous montrer. Alors voici cette première moto, c'est mon 636 Kawa de 2003-2004 qui est vraiment modifié pour faire cette discipline qui est le stunt. Vous le savez, le stunt en anglais cascade, c'est cette discipline de la moto qui consiste à faire des figures comme le wheeling, les drifts ou des coasters, le tout sans l'aide d'aucun module sur un terrain plat. C'est une moto généralement qui est carénée comme celle-ci. Vraiment qui est une moto routière sportive. En soi, j'ai gardé juste le moteur. Cette moto, elle me sert principalement pour faire toutes mes acrobaties, mes compétitions aussi. Elle est solide, elle est costaud. Elle est vraiment faite vraiment pour la pure discipline qui est le stunt. Là, juste ici, vous avez une moto qui est vraiment plus d'origine. Je trouvais ça sympa de montrer aussi qu'on peut rouler avec n'importe quelle moto, que ce soit moto modifiée ou moto d'origine. Et enfin, voici la dernière pépite du garage de Romain. Cette moto, c'est une 250 YZ 2 temps de 2020. Petite histoire avec cette moto, elle appartenait à Tom Pages, mais... Et oui, c'est bien avec la moto de la légende du motocross freestyle, le français Tom Pages, que Romain retourne aux origines pour mieux les dépasser. A special flip for us here. The bike flip. Je m'en sers plutôt pour faire du cross parce que faut savoir que le cross c'est ma discipline de base. J'ai commencé par ça quand j'étais petit, mais aussi pour toucher au domaine qui est la bike life. J'avais envie d'essayer. Mais avant tout, c'est dans sa discipline de prédilection que le boss du stunt va nous montrer tout son talent. La même routine, garage, vérification, moto, camion, entraînement. Allez, suivez-moi, c'est parti pour cette grosse session. Le spot idéal pour faire du stunt, un simple parking, mais qui répond à quelques exigences. Donc le mieux, c'est de trouver des endroits un peu isolés où on peut s'entraîner et sans embêter les gens. Je vais aller m'entraîner une heure par ici, une heure par là. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre et qui sont fermés à toute discussion. Ben, il faut être poli, dire ouais, passez une bonne journée et au revoir quoi. Voilà, bienvenue sur mon spot. Cet endroit relativement isolé est parfait pour une grosse session. Et Romain envoie ça plein gaz. Son style, un véritable chien fou. Au guidon de sa moto, le stunter enchaîne les figures dans de courts laps de temps et avec de gros changements de direction. J'ai un style un peu agressif, en étant fluide à la fois, je pense. J'aime bien enchaîner, j'aime bien être rapide, c'est mon kiff. Une des figures préférées de Romain, c'est le bunny up, un saut sans tremplin et plutôt technique qui procure de belles sensations. De passion à métier, Romain Gendreau enchaîne show et compète en France, mais aussi autour du monde. Et cela implique des sacrifices. Je m'entraîne beaucoup tout seul malheureusement. C'est difficile de trouver des gens qui veulent te filmer, des gens qui veulent t'accompagner. Ma mère m'accompagne énormément. Généralement, ouais, je suis vraiment tout le temps tout seul, je m'entraîne tout seul et j'ai pas le choix. Je sais que c'est dangereux. Beaucoup de gens vont se dire, putain, c'est méga dangereux, tu t'entraînes tout seul, imagine si tu tombes. Ce qui m'est déjà arrivé, j'ai plus d'articulation sur un de mes doigts de pied parce que j'ai la moto qui m'est tombée sur le pied et je suis resté une heure tout seul. Mais je me suis toujours dit, et j'ai toujours dit, si j'attends les autres, je ne fais rien. Now
with ideas. They just like me and you when the smoke and cameras disappear again. The real. Certaines blessures que j'ai eues, il y a des trucs où tu te dis, ouais, putain, quand je serai vieux, comment je vais marcher? C'est un choix de, bah, de vie, de... C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Mais moi, je kiffe. Le soleil commence à décliner. Romain arrête donc sa session par respect pour le voisinage. Mais le lendemain, il est temps de sortir sa toute nouvelle moto, la 250YZ, qui appartenait à Tom Pagès. Et si Romain s'en servira pour rouler sur terre, c'est aujourd'hui sur le bitume et dans un style bike life qu'on fait chauffer le moteur. Cette motocross de 100 kg est deux fois plus légère que sa moto de stunt, un avantage pour se mettre en Y et flirter avec des figures emblématiques de ce mouvement de plus en plus populaire. Quand tu fais du backlife, bah ça va être aussi plus du no-end, plus des tricks tranquilles ou faire des gros frottages. J'ai l'impression qu'on revient un peu aux tricks de base où c'est de la ligne droite, des gros lâchers de main, des gros coasters comme on avait à l'époque, quoi. Pourquoi une motocross? Tout simplement, c'est parce que j'ai commencé par le motocross. Quand je faisais du cross, je voulais faire du FMX, faire des gros sauts, c'était surtout ça qui m'intéressait de ouf. Mais j'avoue que ma mère m'a mis un petit stop. Mais malheureusement, je suis tombé dans une autre discipline. La bike life reste quelque chose qui est en rapport avec le stunt, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est assez cool d'essayer. La soif de défricher de nouveaux territoires, c'est sans doute ce qui caractérise le mieux Romain Gendreau. Lui qui a dominé la planète stunt, se lance un nouveau défi, exporter sa passion en vidéo via sa chaîne YouTube. J'ai toujours trouvé ça intéressant en fait, de regarder un film et de regarder le côté behind the scenes, tu vois, et de voir qu'est-ce qui se passe, comment ils font pour réaliser ce film, tu vois. Donc ouais, ça m'a toujours passionné, j'ai toujours kiffé. Je serais pas tombé dans la moto, je pense que je serais plus tombé dans la vidéo. Ce nouveau projet professionnel amène avec lui les contraintes dignes de tout entrepreneur. Généralement, il faut tout gérer, parler anglais, envoyer des emails pour essayer de faire des nouveaux projets, contacter pour des shows, pour tout gérer, on va dire, tout ce qui est la partie vidéo, faire tes vidéos, si t'as pas de monteur, si t'as pas de cadreur. Email, gestion, les trucs chiants, entreprise, comptabilité, tu vois. Et il est même en train de se construire un studio encore en chantier, juste au-dessus de son garage, pour ses prochaines réalisations vidéo. Ah, j'ai trop hâte que ça soit fini. J'ai des concepts, des idées qui vont arriver. Je vais être beaucoup plus présent. Je vais essayer d'être plus présent, tu vois. Et de l'autre côté de la route? Eh ben, on est à la maison de mon papa, juste en face de mon garage, où je vais vous montrer quelques souvenirs de mon enfance. Ma petite 50 Piwi, qui est plutôt marrante celle-là parce que c'était là où il y a mon garage actuellement, où il n'y a absolument et strictement rien. Tu faisais avec les moyens du bord, tu t'achetais la moto que tu pouvais. Bah, on m'a acheté la moto que je pouvais parce que c'était pas mes sous à la base, tu vois. C'est grâce à mes parents, que ce soit mon père ou ma mère qui m'ont aidé à acheter cette moto. Mais eux aussi en faisaient de cette moto, tu vois. Je vois, j'ai un souvenir que ma mère, avec le petit cuillère, elle s'est fait arrêter dans la rue. Par les flics, à m'encourager, à me pousser pas. J'ai vraiment essayé tous les sports et c'est la moto qui m'a le fait le plus kiffer. Au lycée, Romain n'a qu'une obsession, faire du stunt. Et cela l'emmène aux quatre coins du monde alors qu'il est encore un simple étudiant en mécanique moto. Non, j'avais pas confiance que ça finisse en compète et tout, mais c'était une opportunité de pouvoir voyager et aller faire une première compète. Bien entendu, la première compète, c'est une catastrophe. J'ai eu pas mal de compètes, ouais, que j'ai au début 3e, 2e, il y a eu des 6e. J'ai eu pas mal de périodes où j'ai fait des premières places, tout au fur et à mesure du temps, avec ma façon de rouler et tout. Et j'ai vu beaucoup de gens essayer de rouler comme moi, c'était trop marrant, c'était une fierté, tu vois. J'en ai même, alors ça a peut-être choqué plus d'un, moi je sais que ça m'a choqué sur le coup, qui se sont tatoués moi. Genre moi, en train de rouler sur leurs épaules, et il y a un Romain Gendreau sur le torse. Et ça c'est un truc qui m'avait un peu choqué sur le coup, tu vois. Je me suis dit, waouh, les gars, quoi, t'es choqué, t'es fier en même temps, tu sais pas quelle réaction avoir. Quand t'as des gens qui te regardent, quand t'as des gens qui te demandent des conseils, t'es obligé de donner l'exemple. Porter un casque, porter des gants, voilà. Et de toute façon, c'est quelque chose d'important. Plus t'es en sécurité, mieux c'est dans ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire.
S'il peut être très réfléchi dans la vie, lors des compétitions, la star du stunt pose littéralement son cerveau. Quand je vais sur une compétition, c'est ce qui est un défaut, tu vois, c'est que je ne prépare pas vraiment de run, c'est plus des runs à l'instinct. Le futur, je le vois comment? Bah, mon but, comme je dis, c'est toujours de rouler, toujours évoluer, toujours pousser mes limites, entre guillemets. Un jour, je suis conscient que je ne pourrai plus. C'est impossible que tu te lasses de l'adrénaline que ça te procure. Peut-être que je roulerai moins intensivement, que je ferai moins de... voilà. Peut-être que je ferai quelque chose qui est en rapport toujours avec ça. Par exemple, faire de la vidéo. La moto, en fait, quand tu signes, c'est à vie ou rien du tout.